Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Quand ta tante compresseur m'avait récupéré pour me laver, elle a dit une seule chose quand je suis arrivée dans son live. Sophia Lille, le village brille. Compresseur a dit une seule chose. Je vais te montrer où est ton éducation et mon éducation. Compresseur, ta tante, elle a dit une seule chose qui m'a fait sortir de son live et ne jamais lui manquer de respect. Pendant qu'elle me lavait, elle a dit, l'étoile cribienne, moi je peux parler de toi. Toi, si tu tentes d'ouvrir ta bouche sur moi, ça veut dire que tu es mal élevé. Lavez sa main. Rien que la phrase là. Libérez les cœurs, mes étoiles, partagez-nous le live. Rien que la phrase là, petit frère, jusqu'aujourd'hui, les gens ont déjà tout fait là sur la toile. Pour que je m'asseye pour insulter compresseur jusqu'à la terre finie, ça n'arrivera pas. Je dis moi, jusqu'à la terre finie, mieux on dit que j'ai peur. Est-ce que tu vois un peu l'éducation? Rien que pour cette phrase-là, comme moi, je suis ta grande soeur, je peux t'insulter. Tente d'ouvrir ta bouche sur moi, on va dire que toi, tu es mal élevé. Rien que pour cette phrase, jusqu'aujourd'hui, je dis jusqu'aujourd'hui, je peux m'asseoir et donner mon avis sur ce qui concerne le compresseur, mais je ne m'assierai jamais pour venir insulter le compresseur ici sur Meta. Est-ce que tu entends? Je dis bien jamais. Mieux on dit que l'étoile qui vient est hypocrite. Mais toi, partagez le live. Ma page est très restreinte. Partagez-nous le live là. Tu entends, non? Marie-Gisèle, si c'est compresseur que tu es en train d'appeler Toto sur ma page, je vais te bloquer. Même si tu es une ancienne étoile. Et je sais que tu es une ancienne étoile. Ne l'appelle pas Toto sur ma page. Je ne suis pas dans vos teams ici, là, sur Meta. Tu ne l'insultes pas sur ma page. Je n'ai pas de problème avec compresseur. Donc, sur ma page, vous ne l'insultez pas. Vos histoires de règlement de compte, c'est sur les pages des gens avec qui elle est en clash. Elle n'est pas en clash avec moi. Qu'on soit bien d'accord. C'est ma vérité là qui vous élève. Si c'est elle que tu traites de Toto, tu enlèves ton commentaire, tu peux poster ça ailleurs, là où elle est en problème avec les gens. Pas sur ma page. Je ne vais pas te bloquer. Marie, mais si tu m'aimes, je sais que tu es une habituée ici, là. Tu dois savoir que la mère des étoiles n'est pas en clash avec compresseur. On n'achète pas les problèmes des gens. Tu entends, non? Ne viens pas pécher pour les gens qui vont t'insulter demain. Ne viens pas arracher les problèmes de Meta. Tous sont les sorciers, comme tu les vois là sur les réseaux sociaux. N'entre pas dans les problèmes des gens. Ne fais pas le aide-moi à détester. Parce que quand tu vas payer derrière ou tes enfants vont payer, ces gens-là ne seront pas là. D'accord? Même caché derrière ton faux profil, tu vas venir porter les péchés des gens. Ne porte pas. Voilà. Donc, l'abbé Samé, petit frère, respecte-moi, je ne suis pas ton égal. Et si tu crois que je peux me donner un spectacle avec toi, hein, tu te trompes. Tu peux sortir avec une belle femme comme moi, l'abbé Samé. Regarde. Montre-moi une femme avec qui tu es sortie, qui s'assume comme ça, là, sans maquillage, le matin au réveil, je sens encore. Et qui est belle comme ça là, comme ta grande soeur que je suis. Tu ne peux pas me montrer. Voilà, donc je vais entrer sur ta page tous les jours pour être sûr que tu m'as insulté. Ne t'arrête pas. Je t'ai entendu dire que, oh, l'étoile cribienne, depuis je défile sur ta toile, ta page, je vois que tu ne fais plus de live. Donc dans ta tête, tu es sûr que tout ce que tu dis là, tu m'as tellement traumatisé que je n'arrive pas à faire le live. Petit frère, tu sais que je travaille, non? Tu sais que j'ai un métier, non? Tu sais que je cherche l'argent, non, petit frère? Hein? Non, quand je lui réponds pas. Tu crois que si je réponds à l'abbé, ça m'avait parlé comme ça. C'est un petit frère. Je réponds quoi à un petit frère? Tu sais que je cherche l'argent, non? Hein? Donc, tu penses que je vais laisser l'argent pour venir me donner un spectacle avec toi? Moi, je me respectais. Hein, petit frère? Christian Matip, je me respecte. Tu pars chercher une vidéo de moi sur ma page, tu dis que voilà maintenant les vidéos qu'elle fait. Avant, tu ne faisais pas les conseils. Moi, on m'a connu alors avec les conseils. Donc, tu ne me connais même pas, mais tu viens seulement acheter les problèmes. Petit frère, tu vas travailler.
Et il faut demander aux gens, tant que je mets le nom d'une personne sur ma page pour lui répondre, c'est que je ne le déteste pas. Et c'est que ces insultes ne m'atteignent pas. Quand les insultes de quelqu'un m'atteignent, hein? Un mensonge. Je dis que hein, Marcel, je ne mets pas le nom de la personne. Et quand je déteste quelqu'un, donc toi, tu n'es pas encore arrivé au niveau où tu m'insultes, ça m'énerve. Hein? Donc la belle Samet, loucotte, ne t'arrête pas de m'insulter. Fais matin, midi, soir. Hein? Tous les jours, insulte, ne t'arrête pas. Si tu t'arrêtes, je vais encore lancer le live pour dire que c'est comment. Tu ne parles plus. Parce que tu dois parler. Tu dois travailler pour moi-même pendant 6 mois. Tu en dois avec quoi? Ne t'arrête pas. Merci Christian Mathieu. Tu as dit que tu vas work pour moi. Travaille. Mais tiens, te mets dans la tête que même 2 minutes, je ne suis pas tes live. Donc c'est plus pour animer ta page que tu vas parler. Mais je ne suis pas tes live. Je vais te suivre 2 minutes pour surveiller, pour être sûr que tu as parlé de moi. Parce que tu dois work. Hmm? Bonjour mon étoile. Kala, t'as-tu le village brille? Quand tu as décidé de quoi? Est-ce que moi, je peux me donner un spectacle avec un enfant? Hein? Je ne me donne pas un spectacle. Si tu es mon égal, oui, tu viens, on va parler. Hein, comme tu ne me donnes pas un spectacle. Les enfants ont la bouche. Hein. Les petits frères, les petites soeurs, il ne faut pas courir avec eux. Hein. Ah oui, oui, oui. Il hein. Faut courir avec vos égaux. Bon. Allez, ici, sur la toile, quand vous me cherchez là, vous ne voyez pas. J'ai entendu dire que l'étoile cribienne est hypocrite. Hmm? Si, mais ça ne va pas entrer. Regarde ça. Regarde-moi, l'autre, il ne peut pas mettre parce qu'un autre est déjà abonné jusqu'à légaliser. Je ne prends pas tout. Hein, comme t'as, tu gâches la victoire. J'ai entendu dire que l'étoile cribienne est hypocrite. L'étoile cribienne est la plus hypocrite des réseaux sociaux. Vous ne mentez pas. C'est la vérité. Je suis la plus hypocrite d'entre vous tous. Mais ce qui est certain, c'est que vous tous là sur la toile, je dis sans exception aucune, vous êtes hypocrites. Je ne refuse pas mon hypocrisie. Marie, t'inquiète pas. Je ne refuse pas mon hypocrisie. Libérez les cœurs, mes étoiles, partagez le live. J'accepte mon hypocrisie. Mais n'oubliez pas que vous tous, comme moi là, vous êtes hypocrites. Et que vous m'avez appris l'hypocrisie là. Vous entendez avec quoi? Vous êtes tous hypocrites. Moi-même, comme je suis hypocrite là, sachez que vous tous qui faites les lives là, je dis vous tous, sans exception aucune, vous êtes hypocrites. Hein? Pourquoi je dis que vous êtes hypocrites? Et même ceux qui nous suivent sont hypocrites. Pourquoi? Quand quelqu'un vient faire le live, il vous dit ce qu'il pense. Vous partez vous asseoir, vous clashez la personne parce que la personne vous a dit la vérité. Vous entendez avec quoi? Vous dites que la personne ne vous aime pas parce qu'elle vous a dit ce qu'elle pense. Quand on voit comme ça, on va commencer à faire l'hypocrisie avec vous. Parce que vous n'aimez pas les gens vrais. Quand les gens vrais viennent s'asseoir pour vous dire la vérité, ça vous énerve. Donc, on va commencer à jouer l'hypocrisie comme vous. Et vous avez mal parce qu'on utilise vos âmes. Hein? Vous avez mal parce qu'il fallait que je vienne m'asseoir, je récupère compresseur, je commence à l'insulter. Compresseur a un problème avec moi. Vous pensez qu'il y a une personne là sur la toile qui me fait peur? De toutes ces blogueuses-là, je l'ai déjà dit ici. Je n'ai peur de personne, mais je les respecte toutes. Je dis bien toutes, sans exception aucune. Ok, je manque de respect à celui qui mérite que je lui manque de respect. Donc, il fallait que je vienne m'asseoir. Comme je vois que la masse est d'un côté, je ne peux pas me mettre du côté de la masse alors que j'ai mes yeux, j'ai mes oreilles. Il fallait que je vienne entrer dans les problèmes des gens. Je ne peux pas m'allier à certaines personnes pour que vous veniez dire que l'étoile qui vient n'est pas hypocrite. Je ne m'allie à personne sur Meta. Je ne m'allie à personne. Je ne suis pas une haineuse pour acheter les problèmes des gens. Je ne m'allie à personne. Quand un dossier sort, j'ai ma voix à donner. Je donne ma voix comme je sens que même mon Dieu va dire que tu as essayé d'être vrai. Elle a toujours Dieu dans la bouche. Ça vous, je vous ai empêché d'avoir Dieu dans la bouche. Vous avez honte de parler de Dieu, moi non. J'ai entendu une femme dans un live dire qu'on doit prendre le visage de compresseur. Regardez jusqu'où vous amenez votre haine. Pendant que vous dites que l'étoile qui vient est hypocrite, vous acceptez la haine des gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux. On doit, tellement elle vient avec la haine, elle dit qu'on doit récupérer le visage de compresseur. On frotte ça sur le goudron. Parce qu'elle, elle est fâchée de compresseur qu'elle ne connaît pas. Parce qu'elle voit les guerres des réseaux sociaux. Si on doit prendre le visage de compresseur, on frotte ça sur le goudron. On doit prendre mon visage et toutes les personnes qui font le blog de Meta, on frotte sur le goudron. Parce que personne n'est sain.
Vous avez entendu avec quoi? Je dis personne n'est saint. C'est cette partie du film que vous n'aimez pas. Parce qu'il fallait qu'on récupère, qu'on pressort. On lui donne tous les démons de la toile. On lui donne tous les torts de la toile. Et on s'aligne aux gens que vous, vous voulez soutenir. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Quand tu pars dans un tribunal, tu as déjà ton parti pris parce que tu es dans un camp. Ici, sur Meta, je ne suis pas dans un tribunal. Je suis sur ma page. Donc, si vous voulez qu'on prenne le visage de compresseur, on gratte ça sur le sol parce qu'elle est la plus mauvaise de Meta. Je vous dis que nous sommes les plus mauvais des réseaux sociaux. On doit aussi prendre nos visages. On fait la même chose. Parce que ce que vous ne tolérez pas de ce qui est sorti de la bouche de compresseur, ne tolérez pas ça de Pierre, Paul, Jacques. Vous ne pouvez pas condamner un comportement chez l'étoile cribienne et vous acceptez ça chez Janine. Vous ne pouvez pas condamner un comportement chez Janine et vous acceptez ça chez moi. Est-ce que vous avez entendu ce que je vous dis? Hein? Je vais répondre cœur si. Ici, c'est ma page. Quand tu n'aimes pas ce que je fais, ne viens pas. Hein? On ne t'a pas appelé. Tu dis que je vois toujours qu'on insulte compresseur. Le jour où je suis sortie, l'abbé Samé était là-bas au Maroc pour dire que je ne pense pas que ce que l'abbé Samé dit, qu'on a voulu le qu'il a mais vrai. Tu n'es pas sorti dire que je défends toujours l'abbé Samé. Hein? Tu n'es pas sorti dire ça. Ce que vous n'avez pas compris, c'est que vous, vous êtes des personnes partiales. Lorsque vous défendez un dossier, vous êtes partial. Or, moi, je ne défends pas quelqu'un. Je défends ce que je pense être la vérité. D'accord? Si tu constates, c'est parce que tu as déjà un parti pris. Quand compresseur a eu son problème, ou comment elle s'appelle la dame là? S'il vous plaît, la dame qui sortait avec Thierry. Je vais vous dire que je ne suis pas comme vous. On peut encore retrouver les vidéos. Compresseur a eu son histoire avec la l'ex-copine de Thierry. L'histoire est venue nous trouver publiquement sur la toile. Quand je me suis assise, j'ai plutôt défendu la cause de l'ex-copine de Thierry. Sans manquer de respect à Perpétu. J'ai plutôt dit que quand tu as marché avec quelqu'un, voici ce qu'on ne fait pas. Sauf qu'à la différence de vous, Compresseur n'est jamais venu m'insulter que tu parles de mes choses. Pourquoi? Elle a considéré que c'est public. J'ai donné ma voix. Elle a pris de la hauteur. Si c'était quelqu'un d'autre, la personne allait s'asseoir pour dire que ne parle plus de mes problèmes. Parce que moi, je ne parle pas de vos problèmes. Pourtant, si on part regarder sur les pages de nous tous ici sur la toile, chacun a déjà parlé des problèmes de quelqu'un qui ne le regarde pas. D'accord? Donc, pourquoi quand il s'agissait du dossier de l'ex de Thierry, vous n'êtes pas venu me dire que je défends Compresseur? Et quand il s'agit d'être impartial, encore une fois, vous venez me dire que je défends Compresseur. Et présumons que je défends Compresseur, vous avez quel droit de m'enlever ma liberté de défendre qui je veux? Je vous propose cette question. Marie, attends, tu dis qu'en ce moment, personne ne fait ce que fait Compresseur, impliquer les enfants sur les choses des gens. Quand je suis en train de parler là, je suis en train de dire que ce que Compresseur a fait ou ce que Pierre Paul a fait, c'est bien ou ce n'est pas bien. Eh? Je suis en train de dire que tout le monde fait du sale. Quand tu parles des enfants de quelqu'un et qu'on parle de ton enfant qu'on a adopté, ça veut dire qu'on parle aussi des enfants. Quand tu parles des enfants de quelqu'un et on te reproche ça, et ailleurs, quelqu'un parle de l'enfant que tu as adopté, ça veut dire que vous deux, vous faites la même chose. Compresseur n'a pas fait l'école. Elle ne sait ni lire ni écrire. Si on l'amène devant un tribunal, le juge va dire qu'elle est ignorante. Le juge va le dire. Qu'elle a les lacunes. Maintenant, toi et moi, qui savons lire et écrire, en quoi nous sommes différents? Toi et moi qui avons été à l'école, si on se comporte comme celui qui lui a les lacunes, il a des problèmes de santé ou il ne peut pas retenir, en quoi nous sommes mieux? La toile camerounaise, c'est le genre de toile où, quand il y a 500 personnes à droite, les autres veulent que les gens aussi aillent là-bas. Moi, je ne suis pas la meute. Vous allez constater que la plupart du temps, vous avez toujours l'impression que je suis à gauche. Je ne suis pas la meute. Je suis ma logique.
Je ne suis pas où on libère beaucoup de cœurs. C'est pour ça que vous pouvez me voir aller donner ma voix pour celui qui n'a que 2 abonnés quand je pense ce qu'il a raison. Compressa est la seule qui insulte les enfants. Entre-temps, elle a adopté un enfant qui est déjà son enfant. Si on parle de cet enfant-là, ça veut dire qu'on parle aussi des enfants. Et je ne veux pas entendre qu'on a parlé des enfants parce qu'elle a parlé. Ça veut dire que vous êtes d'accord avec moi que tous ces gens font la même chose sur la toile. Donc si vous deviez gratter le visage de quelqu'un sur le goudron, vous allez gratter le visage de tout le monde. Hein? Je ne suis pas la meute parce que j'ai un intérêt. Alors donne-moi l'intérêt que j'ai. Compressor ne travaille pas où elle a un salaire de 50 000 euros. Elle ne peut pas me nourrir. Compressor n'a pas une page qui peut me fabriquer puisque tu es déjà en train de me regarder sans qu'elle ne t'ait envoyé me fabriquer. Compressor ne peut pas parler à ma place. J'ai ma bouche pour parler. Hum? Je dis des choses dont on ne condamne pas les gens qui ont des lacunes. Je veux vous montrer ici là que vous tous vous faites la même chose puisque vous mettez ces lacunes en exergue. C'est de ça que je parle. Hum? Je n'ai même pas besoin que vous soyez d'accord avec moi. Je vous dis ce que je parle. Je sais ce que je peux venir dire pour vous pousser à m'aimer. Cette toile-là, je la maîtrise. Pour vous pousser à libérer les cœurs, à partager partout. Mais je refuse l'hypocrisie. C'est pour ça que je veux vous dire que vous utilisez les gros mots sur Meta sans connaître la définition. L'hypocrite, c'est un opportuniste. L'hypocrite, c'est quelqu'un qui te caresse en face. Derrière, il fait autre chose. Moi, je vous dis ce qui est dans mon ventre. Ce qui est dans mon ventre, c'est que quand 2 personnes se disputent sur les réseaux sociaux, arrêtez d'avoir des partis pris. Soit vous mettez la paix, soit vous foutez le camp. Si vous ne pouvez pas essayer de mettre la paix, ne dites pas que tel a plus tort que l'autre, tel a plus raison que l'autre. Chez Dieu, il n'y a pas de petit péché. Quand les gens sont en train de se déchirer, arrêtez de dire que l'insulte de Pierre fait plus mal que l'insulte de Paul. Parce que là où tu penses qu'une insulte ne te fait pas mal, ça ne veut pas dire qu'ailleurs, c'est pareil. Je peux te dire mouf, ça ne te blesse pas. Tu me dis mouf, moi ça me blesse. Parce que j'ai les limites dans ce mouf-là. Quand je fais mes lives, je ne fais pas pour défendre quelqu'un. Je suis sur la toile avec vous. Je vois comme vous. Les gens sont allés loin. Vous ne pouvez pas les calmer. Vous pouvez seulement mettre le feu. Quand je viens dans la janta, comment on dit, on va gratter la tête de compresseur sur le, comment dire, sur le gravier. Le goudron. Merci, Vaiva. Je dis, mais ils sont malades. Vous grattez sa tête sur le goudron que vous, vous êtes qui en fait? Hum? C'est pour vous dire que hein, je ne suis pas avec vous. Tu me dis, Nicole Ketcha, l'abbé Samé, ont attaqué ton commerce. Compressor qui est leur patron n'est pas sorti pour se désolidariser de ça. Nilao, c'est pour te dire que je ne suis pas comme les gens sur la toile. C'est pour te dire que je ne suis pas hypocrite. Quand j'ai fait ma sortie sur Nicole Ketcha, j'ai dit ceci. Que compresseur, si cette fille m'insulte, elle est dans ton camp, c'est parce que tu aimes. J'ai déjà fini avec. Si au fond d'elle, elle n'aime pas, c'est-à-dire c'est sa condamnation ou bien son bonheur devant Dieu. Ce n'est pas parce qu'on m'a insulté. Ce sont mes produits qu'on a insultés. Ce n'est pas pour vous. Ce sont mes produits. Tant que je sais que je suis sur la bonne voie, je sais que même si 1000 insultent mes produits, le Seigneur ne peut pas me faire tomber. Je le sais. Donc ça là, ça ne m'atteint pas. Parce que je sais que mes vrais consommateurs ne se plaignent pas. Ils pouvaient gagner si j'avais des consommateurs qui se plaignaient de mes produits. Et quand on prend une photo qui traîne sur les réseaux depuis 10 ans, on dit que ce sont tes produits qui ont abîmé. Les gens qui nous suivent ne sont pas des illettrés. Ce sont des personnes intelligentes. Viens par là, Lucas. Sinon, je vais reprendre mon téléphone. Donc, ça ne sert à rien de venir vouloir m'instrumentaliser avec ce que j'aime. Me dit que l'abbé Samé ou Nicole Ketcha, ils ont insulté mes produits pour que je me range du côté de la masse. Vous ne m'aurez pas dans la masse. Je refuse. Je me range du côté de ce que je pense être raisonnable. Vous entendez avec quoi? La haine ne se contamine pas. Ce n'est pas obligé. Je me range du côté de la vérité. Je ne me range pas du côté de compresseur. Je ne me range pas du côté de Pierre-Paul Jacques. Je dis ceci. S'il faille
gratter le visage de quelqu'un sur le goudron parce que la personne est le plus mauvais de méta, gratter nos visages, nous tous. Vous entendez? Parce qu'il n'y a pas de signe là-dedans. Vous entendez avec quoi? Hein? Vous venez me dire que Pierre-Paul Jacques a insulté mes produits. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Quand tu as plus de je ne sais combien de clients qui utilisent tes produits, qui ne se plaignent pas, tu as peur de quoi? Ils vont aller dire à ceux qui utilisent déjà Cribiclair que n'utilisez plus ça brûle, mais les gens vont leur répondre qu'allez, allez là-bas avec vos mensonges. J'utilise ça depuis qu'elle a commencé à commercialiser. Hmm? Je me mets à ta place. Tu as dit une fois que tu as des affinités avec Thierry. Joël, assis, je vais répéter ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que j'ai de l'affinité avec Thierry. J'ai dit que Thierry, c'est mon frère. Tu entends avec quoi? Et je peux te dire que le live que je suis en train de faire n'est pas pour Thierry. Je ne pense même pas à Thierry. D'accord? J'ai dit que Thierry, c'est mon frère. Ça ne veut pas dire par contre que si je devais m'adresser à Compresso, je ne devais pas le faire par rapport à Thierry. D'accord? Avant que je ne sache qu'il s'agit de ce Thierry-là qui sort avec Compresso, je n'avais déjà jamais répondu à Compresso dans le clash. Est-ce que vous voyez un peu? Moi, là, on ne me manipule pas. Quitte de là, Lucas, sinon tu me rends mon téléphone. Donc, vous voulez à tout prix que moi, je vienne insulter quelqu'un. Moi, je suis venue faire merci là-bas, encore. Je suis venue faire un live où mes frères camerounais sont dans les problèmes. Je n'ai pas regardé Thierry, sinon j'allais effectivement m'aligner directement. Mais je sais que Thierry ne peut pas rattraper mon honneur devant mon Dieu. Donc, je ne vais pas pécher pour Thierry. D'accord? Donc, quand j'ai fait mon live, je l'ai fait en toute impartialité. Mais comme il y a les manipulateurs sur la toile, les haineux sur la toile, beaucoup de personnes qui nous suivent s'ennuient. Pourquoi je le dis? Et ces personnes s'ennuient et sont stressées. Parce que je ne comprends pas comment. Tu ne connais pas Compresso. Tu ne connais pas, on va dire, comment il s'appelle, Cameroun Afrique Japa. Mais quand tu vois que Cameroun Afrique Japa est dans les problèmes et tu penses qu'il a tort rien que parce que tu le regardes en caméra, tu montes dans un live et dis qu'on va écraser le visage de Cameroun Afrique Japa sur le goudron. Je trouve ça d'une méchanceté qui ne dit pas son nom. C'est là où je comprends que vous avez beaucoup de chance. Vous, certains de ces blogueurs qui vendaient votre image avec la haine, vous avez la chance que beaucoup qui nous suivent sont dépressifs. Parce que si c'était des personnes normales comme les personnes qui me suivent sur la toile, elles allaient comprendre depuis que Meta, c'est pas la peine sur certaines choses. Tu ne peux pas être assis chez toi. Tu achètes les problèmes des gens que tu ne connais pas dans la vraie vie. Il y a un problème dans la tête. Tu achètes ça d'une façon. Tu es prêt à dire que si on clame l'autre, c'est bien. Ça fait mal au cœur. C'est de la même façon que quand j'avais entendu qu'on a dit que oh, telle personne qui est là-bas en Suisse voulait qu'il aime telle. J'ai eu mal au cœur. J'ai dit mais. Quand moi j'écoute ce qui sort, je n'ai pas l'impression que c'est ça. Je suis venu faire un live. Les Camerounais, vous utilisez les gros mots parfois que vous apprenez sur Google. Certains d'entre vous que vous ne maîtrisez pas. La bipolarité là, c'est une maladie. Les troubles de bipolarité. J'ai entendu dire que oh, tu es bipolaire parce que si aujourd'hui tu trouves que telle personne a raison, tu lui donnes sa raison. Le jour où tu trouves qu'il n'a pas raison, tu dois parler dans un sens. La personne dit que mais vous êtes bipolaire parce que pour vous ici, on n'est pas bipolaire qu'on accepte votre faux, qu'on accepte votre bon. Il faut vous accepter avec tout ce qui est mal. C'est pas avec moi, même dans la maison, chez nous, dans ma famille, quand on veut trancher un problème, on m'appelle. On laisse ma grande soeur, on laisse mes aînés, on me dit que appelez Ashley. Elle va venir nous dire qu'il y a tort. Parce que moi, je ne défends personne. D'accord? Je défends toujours la vérité. Puisqu'on m'a appris que tu vas venir défendre quelqu'un qui a menti alors qu'il a tort. Tu vas porter ses péchés. Quand je juge que les gens ont tort ensemble, ou je vois déjà que ça va trop loin, je peux donner ma voix. Je donne ma voix pour tout le monde. On va venir me dire que je suis hypocrite parce qu'à un moment, je dis que tel a tort, je dois choisir. Je choisis que c'est vous qui payez mes factures. Je vais choisir que c'est vous qui mettez ma connexion. Entre-temps, ceux qui travaillent souvent pour vous, on a vu comment ça finit souvent ici-là. Et toi, tu n'es pas bipolaire, mais je répète, avec Compresso, tu n'es pas impartial. Je ne suis pas impartial avec Compresso dans mon étoile d'amour. C'est ce que tu penses. Tu comprends un peu? Moi, tant que dans mon cœur, je sais que je ne suis pas en train de prendre parti de qui que ce soit. Hein? Ça ne me gêne pas, mon étoile. Tu n'es pas en train de m'insulter. Tu me dis ce que tu penses. Et ce qui m'énerve, c'est que quand moi je dis ce que je pense, les gens se fâchent. Oh, tu vois comment ça fait plaisir d'être libre, d'être sur une page et de dire ce que tu penses. Généralement, je bloque quand on m'insulte.
Là, tu es en train de dire ce que tu penses. Tu penses que dans le dossier, si je ne suis pas impartiale, je te l'accorde. Mais au fond de moi, je te dis qu'il y a les choses qu'on ne fait pas. Lorsque j'ai parlé de ce dossier dernièrement, je n'ai même pas parlé du côté de compression, j'ai parlé de tout le monde. Ce qui me blesse, c'est que hier, j'ai entendu une femme dire qu'on doit gratter le visage de compresseur. Je ne suis pas une haineuse. Celui qui gratte le visage de compresseur, quand vous avez croisé compresseur en route, vous avez pris un truc pour gratter son visage. Je vais prendre position directement du côté de compresseur. Est-ce que vous entendez? Là, je vais prendre directement position. J'entends un jour, quand nous sommes chez nous, quelqu'un est parti agresser compresseur ou gratter son visage. Je vais m'aligner directement de son côté sans me cacher. Vous me suivez sans me connaître. Attendez. Lucas, tu sais qu'on te voit. Non, j'aime pas ça. Tu peux pas installer tous les jeux sur mon téléphone. Attends. C'est payant. C'est pour ça qu'on peut pas l'installer. C'est payant, loulou. D'accord? Mon téléphone, il est pour toi maintenant. Hein, loulou? Là, vous entendez? Non, là, je suis assez claire. Je ne suis rien. Mais le jour où j'entends que quelqu'un est parti agresser compresseur ou gratter son visage, je vais directement m'aligner du côté de compresseur. Pourquoi je le dis? Quand vous insultez les gens matin, midi, soir, personne ne vient prendre vos visages, on frotte sur les goudrons. Quand vous exposez les vies des gens, personne ne vient vous choper, on vous agresse en route. Vous êtes fâché de qu'on vous fasse ce que vous faites aux gens. Quand on veut être l'exemple, quand on veut dire qu'on est clean, toutes les actions qu'on pose vont en adéquation. D'accord? Quand on veut dire qu'on est clean, je dis toutes les actions qu'on pose vont en adéquation. Flore la douce, le village brille mon étoile. Vous entendez avec quoi? Là, je vous le dis. Vous me suivez sans me connaître. À chaque fois que je prends position, je dis toujours. Je ne sais pas qui avait un problème ici, j'ai dit directement, quand il fallait prendre directement position, j'ai dit, je donne ma voix à tel. Quand vous ne me voyez pas dire, je donne ma voix à tel, c'est parce que pour moi, dans mon analyse, je divise les torts. Jusqu'ici, je n'ai pas donné ma voix pour quelqu'un dans ce problème. Parce que j'ai jugé que toutes ces personnes avaient tort à cet instant. Je ne veux pas savoir qui a mis la dose la plus machin. Tout ce que je sais, c'est que ça salissait. Flore la douce, merci, le village brille mon étoile d'amour. D'accord? Maintenant, je vous préviens alors. Comme vous m'aimiez déjà trop là, vous allez encore trop m'aimer. Le jour que quelqu'un agresse compresseur, je vais me positionner directement du côté de compresseur. Faites tout. Insultez-la, insultez-vous. Il n'y a pas de problème. Mais allez l'agresser, frotter son visage sur le goudron comme vous avez prévu là, ça vous rate. Voilà. Ça là seulement, ça vous rate. Ok? Qu'on soit bien d'accord. Et je tiens encore à préciser que l'Étoile Caribienne a un village virtuel de sensibilisation, de dénonciation, d'éveil de conscience, de conseil dans le positif. Elle n'appartient pas à une team. Je ne travaillerai jamais pour la TKC et pour aucune blogueuse sur la toile. Le jour où je vois que je peux donner ma voix à une blogueuse, je donne ma voix à cette blogueuse. C'est comme ça et pas autrement. Vous entendez avec quoi? Pour le moment, ce n'est pas le cas. Pour le moment, je considère que les guerres de compression, elle est dans ces guerres. Je vais considérer que ça devient aussi ma guerre le jour où vous allez aller prendre son visa, vous frotter sur le goudron. Je ne suis pas d'accord avec les esclandres de compression. Je ne suis pas d'accord. Ça, je le dis. Parce que dans chaque guerre, il y a des limites. On est une famille. Caroline a le village pris. Mais je ne suis pas d'accord que vous alliez l'agresser. Parce que de la même façon qu'elle va trop loin, Pierre, Paul, Jacques vont trop loin. C'est comme ça et pas autrement. Celui qui n'est pas content, ça va juste être une dose de plus dans la haine que vous aviez déjà pour moi. Et les vrais vont continuer à m'aimer. Je ne mendie pas l'amour. Surtout l'amour des hommes, je l'ai déjà dit plus d'une fois. N'est-ce pas, vous faites les lives, on voit où la foule est en train de partir. Je ne m'aligne pas, je ne suis pas de ces personnes-là. Je ne m'aligne pas. Je suis mon instinct. Je suis ce que je vois. Vous pensez que votre toile de manipulateur, là, on n'a pas compris? Quand les gens vont du sens de vos teams, quand vous mettez les photos de la personne dans vos teams, vos abonnés commencent à donner les cœurs. Ouais, l'étoile qui donne, on t'aime. L'étoile, ceci. Et quand les gens veulent être libres de défendre leur opinion, vous êtes les mêmes qui insultez les gens. Voilà, compresseur.
Mamie, moi, je t'aime. Je sais, Caroline, vous êtes mes vraies étoiles. Voilà compresseur qui est en clash. Quand demain, on va entendre qu'il y a réconciliation, vous, les mêmes qui êtes en train de dire qu'on doit gratter son vieux, c'est le visage de vos parents qu'on va retrouver gratté sur le congoudron. Dans le visage de compresseur. Vous avez entendu avec quoi? Quand il y aura réconciliation, vous serez les mêmes. Flore Ladou, tu as raison. Je suis en train de le faire parce qu'on veut me voler ma liberté de penser. Flore Ladou, c'est là où je suis le plus dangereuse. Quand tu veux me voler ma liberté de penser. Parce que je ne suis pas le genre de personne à qui on doit imposer une idéologie. J'étais à l'école, je le dis toujours. Les gens qui ont été à l'école, qui ont le niveau scolaire maternel comme le mien, on ne peut pas leur imposer une idéologie. C'est là où ça les révolte parce qu'ils ont l'intelligence et la sagesse qui va avec. Je suis têtue, je suis du signe cancer. On ne manipule pas le cancer. Le cancer s'impose. Le cancer déteste qu'on essaye de l'écraser. Allez sur Google, vous tapez le signe astrologique cancer. Les cancers sont très vrais. Ils ont un amour énorme pour les autres. Mais le cancer déteste qu'on essaye de lui imposer une idéologie. Il aime prendre ses décisions par lui-même. Et le cancer n'est pas hypocrite comme vous dites. D'où la colère des gens qui veulent qu'en effet, ils soient hypocrites. On ne manipule pas un cancer. Est-ce que vous entendez? Cancer même d'abord. Vous voyez la maladie du cancer même d'abord. Quand ça vous attrape, est-ce que ça rigole? Imaginez alors le comportement du signe. Cancer, c'est au mois de juin. Je suis née le 30 juin. Mon anniversaire, c'est bientôt. D'accord? Allez vous renseigner. Et c'est comme ça que le cancer est amour. Il aime la famille, il aime les gens, il est affectueux. Mais il a un mauvais caractère. Son défaut aussi, c'est que parfois, il aime souvent avoir raison. Parce que comme il a du caractère, il veut s'imposer. Voilà Flore Ladou. Donc, je disais, quand les gens vont faire la paix, vous allez venir avec l'hypocrisie, finalement. Les mêmes gens qui ont dit qu'on doit frotter la tête de compresseur sur le goudron seront les mêmes gens qui iront dire que non, compresseur, on t'aime. On peut être bipolaire. Ça, c'est ce qu'on appelle les troubles de bipolarité. On peut être bipolaire comme ça. Hein? La guerre a les limites. Il s'agit de qui? La guerre a les limites. Vous pouvez voir vos frères vous déchirer, ça vous fait du bien. Mais quand vous entendez déjà que la vie de quelqu'un est mise en pâture, hein? Merci là-bas, Masso. Vous devriez arrêter ça. Mais sauf que vous n'avez pas le cœur. Vous n'avez pas le cœur d'arrêter tant que vous n'avez pas vu le sang. Quand moi j'ai entendu que tel a été accusé d'avoir essayé de killer l'abbé Samé, j'ai trouvé ou c'est vrai ou ce n'est pas vrai. J'ai trouvé que ça allait trop loin. Je suis venue donner ma voix pour dire que moi, la partie là, je juge qu'il y a un faux dedans. Peut-être même que je me suis trompée, oh, mais c'est pour vous dire que qui que ce soit, je n'aime pas l'injustice. C'est de la même façon que quand j'entends qu'on va frotter le visage de compresseur sur le goudron. C'est-à-dire, rien que parce que je ne suis pas une personne haineuse, ça me fait bizarre. C'est de la même façon que quand Tata Lolo, normalement elle n'est pas mentionnée dans ce live, était en clash avec son mari Stéphane. Et que l'ex de Stéphane a récupéré Stéphane. Et que je voyais comment les détracteurs étaient en train de s'insulter Tata Lolo. J'avais mal au cœur parce que c'était une femme comme moi. Je n'ai pas regardé que j'étais déçue d'elle sur certains points. Et qu'on ne s'entendait pas sur certains points. J'ai mal au cœur. Vous êtes les mêmes personnes à être venues dire, quand c'est toujours les histoires de pipi, comme vous l'appeliez. Tu es toujours en train de la défendre. Vous n'avez pas regardé que ce n'était pas pipi, comme vous l'appeliez, que je défendais, mais la femme. Parce que je me disais, mais merde, en tant que femme, même si Tata Lolo nous a fait quoi? Elle est en train de traverser une période difficile après 12 années de vie commune. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas nous, les femmes, qui devions acclamer la séparation. Et je me suis assise. J'ai donné ma voix du côté de Tata Lolo. Jusqu'au point où, à cette époque, Nicole est venue m'insulter pour défendre l'ex de papa de Pafodia. Je ne pouvais pas défendre l'ex de Pafodia parce que à cet instant, ce n'est pas elle qui était en situation de faiblesse, mais Tata Lolo. Ici, sur la toile, je dors sur mes deux oreillers. Notre village, mes étoiles d'amour, est un village de sensibilisation, de dénonciation, d'éveil de conscience, de conseils positifs. Tant que je m'assois, deux personnes me regardent et que je pense que ce que je suis en train de dire plaît à mon Dieu, vous ne pouvez même pas imaginer qu'un être humain sur terre ne peut pas me dédouaner de ce que je suis en train de dire.
Il ne peut pas venir me dire que j'enlève ce que tu as dit. Tu ne dois pas dire ça. Parce que je ne suis plus au stade de plaire aux abonnés, de plaire aux hommes, de plaire aux teams. Je suis au stade de plaire à celui qui est là-bas. Et celui qui est là-bas, vous en avez marre de m'entendre dire ça. C'est parce que je sais ce qu'il est capable de me faire, que vous, vous ne pouvez pas faire. Si Dieu juge que je suis une fausse personne, que je suis en train de détruire les êtres humains, le karma que je vais payer, aucun homme sur terre ne peut me faire payer ça. Donc je me dois de défendre avec plutôt les idées que lui me donne, pas vous. La guerre ne se contamine pas. La haine ne se contamine pas. D'accord? Il y a une fin à tout. Si vous êtes des personnes vraies, vous ne serez jamais dans un live qui prône la haine. Vous allez calmer ça. Vous n'allez pas dire parce que c'est compresseur, parce que c'est Pierre, il faut qu'on le nuise. Vous n'allez pas faire ça. Vous poussez les enfants des gens à se déchirer sur la toile. Quand ils souffrent après, vous n'êtes plus là. Vous poussez les enfants des gens à être dans le péché. Quand leurs enfants paieront demain, vous ne serez plus là. D'accord? Vous ne serez plus là. Et moi, je pousse, tant que je suis sur la toile, les gens à faire la paix. Toutes les personnes avec qui j'ai été en guerre, à un moment donné, je me suis arrêtée. Pourtant, elles m'ont provoqué. La plupart du temps. Je ne pourrais jamais leur souhaiter qu'on les agresse. Quand on a agressé Poil aux aisselles, elle était déjà agressée et je voyais qu'elle était en santé. Il n'y avait rien, sinon sa bouche allait se fermer. Mais Dieu m'est témoin que si je la voyais saigner, rien que mon cœur, j'allais avoir mal. D'accord? Je ne peux pas tolérer que même elle, on l'agresse, on la blesse, elle ne mérite pas. Si je dis que là où tu es, on doit te taper, on ferme ta bouche, je ne le pense pas. C'est parce que nous sommes en train de nous insulter. La haine doit avoir les limites. Il n'y a personne là sur la toile que moi, l'étoile chrétienne, je hais au point de vouloir qu'on gratte son visage sur le goudron. Ça s'appelle la sorcellerie. Merci, Olive. D'accord? Ça s'appelle la sorcellerie. Quand on dit qu'on veut sortir des clashs, on fait des lives qui vont en fonction de la paix. Quand on veut dire qu'on n'aime plus voir les gens se clasher, en tant que suiveur, on commente dans le sens de mettre l'amour, la paix, l'entente avec les gens. C'est ça. Moi, Dieu peut me prendre à l'instant, il n'y a rien dans mon ventre. Mais le sorcier de Mandumba, Amel Kamel, le sorcier, je ne peux pas lui souhaiter du mal. Malgré tout ce qu'il a dit de mensonge sur moi, je ne peux pas voir Amel Kamel dans les problèmes. Je le laisse. Je vais aller l'enlever de ses problèmes. Pourtant, Dieu sait qu'il m'a énervé. Il a menti avec mon nom. Il a buzzé avec mon nom. Et il sait que c'est vrai. Mais je ne peux pas le voir. Voilà un mec du Camé. Je ne sais combien de fois j'ai juré que je ne monte plus sur les lives de du Camé. Parce que du Camé, quand j'étais dans ci, il m'a fait comme ci, il m'a fait comme ça. Mais quand le temps est déjà passé, je pardonne. Je passe à autre chose. Même si je ne lui parle pas, j'essaye de faire que mon cœur, ma colère se vide parce que moi-même, je ne suis pas parfaite. Vous aimez tolérer sur la toile chez certains ce que vous ne tolérez pas ailleurs. Vous allez critiquer l'étoile tribune sur quelque chose, vous allez féliciter la même chose ailleurs. Voilà ma soeur Natacha de Monaco. Natacha de Monaco m'a insulté plus que tout le monde sur la toile. Au point d'aller prendre la tombe de mon père. Aujourd'hui, nous sommes où? Pourquoi je n'ai pas dit qu'on doit lui faire du mal? On s'est insulté. Moi, je trouvais qu'elle allait filmer la tombe de mon père. C'est très grave. Mais moi, je ne sais pas aussi que ce que je lui ai aussi donné comme droit de réponse, c'est aussi grave. Ça l'a aussi blessé à son niveau. Mais aujourd'hui, nous sommes où? Nous sommes où? Aujourd'hui, je suis fière de l'avoir débloquée sur ma page sans qu'elle ne me demande. Parce que j'ai senti que même sa façon de vouloir demander pardon est vraie. Vous venez toujours me compter. Je peux pardonner quelqu'un sans lui dire bonjour. Oui. Et elle, je lui ai pardonné. J'ai dit voilà. Et elle, même si elle trouve que dans mes réponses, j'ai été loin, elle-même a décidé de me pardonner. C'est quelle guerre qui ne finit pas. Vous pouviez imaginer que Natacha peut rester sur les réseaux avec nous et ne clash pas les gens. Pourquoi vous ne prenez pas exemple? Elle a préféré perdre la visibilité. En ce moment, elle a sa page qui est restreinte. Mais elle a dit que non, c'est un monde qui détruit. La guerre sans cesse. Quand vous voyez les gens avoir la soif de rester dans la guerre, c'est parce qu'ils aiment ça. Hmm? On s'est prononcé depuis octobre. Marie Mingue, je me suis prononcée, je te le promets, mon étoile. Peut-être tu n'avais pas vu. Dieu m'en est témoin. Je me suis prononcée. Voilà.
La guerre à un moment donné, parce qu'on croit que... Vous regardez combien de personnes sont en train de me regarder là. C'est énorme. Plus de 160 personnes. C'est énorme. Vous ne pouvez même pas imaginer dans les réseaux sociaux. Mais elles sont en train de prendre le temps, malgré qu'elles soient d'accord ou pas d'accord, de m'écouter sans que je ne sois en train d'insulter quelqu'un. Et quand quelqu'un n'est pas d'accord, commente. Il n'y a pas plus belle audience que ça. Je dis qu'il n'y a pas plus belle audience où quelqu'un peut rester depuis que je suis en train de parler, connecté, en train d'écouter. On est 100. Mais c'est 100 personnes qui sont captivées par ce qui est bon et par ce qu'ils peuvent essayer de modifier. Et je pense que quand tu commences à comprendre que vaut mieux avoir cette audience qu'avoir les audiences qui ne servent à rien juste parce que vous allez prouver que vous êtes les meilleures insulteuses, les meilleurs insulteurs de talent, ça ne sert à rien. Les Fleurs de Lys ont créé les réseaux sociaux avant nous. Pas créé les réseaux sociaux, mais dans le réseau social du blog camerounais, les mamas du blog. Celle qui a commencé avec. N'en plaise ou n'en déplaise, c'est un fait. Celle qui a commencé avec, c'est Fleur. Et les autres, elle est venue d'abord en premier. Elle faisait les clashs tous les jours. On dit qu'avant, il n'y avait pas de vidéo. Mais les gens étaient prêts pour venir écouter les insultes. Aujourd'hui, Fleur dit que jamais, elle n'est plus dans ça. Ce n'est pas pour rien. Parce qu'elle a compris que ça nuit, ça détruit. Elle ne veut plus en entendre parler. Elle veut avancer. Et vous allez voir comment Dieu peut bénir quelqu'un qui a compris. Quelqu'un qui vraiment dans son cœur, il ne dit pas pour dire aux gens, mais qu'il a compris dans son fond intérieur que ça ne paye pas. Regardez Lolo Beauté en Côte d'Ivoire. Lolo Beauté était la maman des clashs. Je dis au Cameroun, il n'y a aucune grande clasheuse comme Lolo Beauté. Et elle avait l'audience qui allait avec. Regardez comment Lolo Beauté est rayonnante. Lolo Beauté est devenue 1000 fois plus belle que quand elle clashait les gens. Tu la regardes, tu es contente. Aujourd'hui, ce qui sort de sa bouche est plus intéressant que les insultes. Ce qui sort de sa bouche va plus impacter positivement que le reste. Mais son audience a diminué. Mais l'audience qu'elle a aujourd'hui est la meilleure. Parce que c'est une audience potable. Et c'est vous qui n'allez pas venir sortir avec. Vous allez venir parce que vous êtes dans la haine. Oui, l'étoile là m'énerve. Elle veut toujours donner les leçons. Je préfère donner les leçons que faire du sale. Elle veut faire comme si elle est trop parfaite. Je ne suis pas parfaite, mais j'essaye. Il n'y a pas d'être humain parfait. On le sait que la perfection est une chimère. Tu ne pourras jamais voir la perfection exister. Hein? On le sait. Donc rien que déjà quand tu sais que la perfection est une chimère, est-ce que tu crois que je veux te donner comme perfection là? Lolo Beauté a même félicité Tata Lolo et Flore. Voilà. Bravo. Je ne suis pas parfaite, mais j'essaie. D'accord? Arrêtez de faire le deux poids, deux mesures sur la toile. Quand vous n'aimez pas la tête de quelqu'un, comme si vous étiez Dieu. Heureusement que ce n'est pas votre haine qui peut m'enlever la vie. Hein? Heureusement, hein? Et de toi libérer, non, les cœurs, partager le live. Heureusement que Dieu décide encore de dire que l'étoile qui vient, tu continues. Parce que si ce n'était que l'amour, que la haine que vous avez pour moi là-haut, si la haine tu es, ce que je ne peux plus allumer ma caméra pour parler, hein? Si la haine tu es, on est d'accord, donc. Mais vous avez la malchance que Dieu ne vous a pas donné le potentiel de pouvoir killer quelqu'un avec votre haine. Ce qui fait que vous allez avaler votre haine pour moi et mettre ça où je pense. Hein? Ceux qui m'aiment dans mon village virtuel vont continuer à rester m'écouter. Voilà Malène qui est partie insulter la première dame. Je mets tout le monde aujourd'hui. Merci Lolo, vous dépasse. Je vais bien ma grande. Voilà Malène. Quand on vous dit... Attendez, je fais une petite pause. Quand on vous dit que l'homme peut mettre un piège dans ta vie pour que tu tombes, ça ne se fait pas. Quand on vous dit que c'est Dieu qui a le dernier mot, vous ne me croyez pas. Voilà Lolo vous dépasse. C'est une abonnée de Tata Lolo. Avec tout ce qui s'est déjà passé sur la toile, je suis sûr qu'un jour elle avait déjà juré que l'étoile qui vient, je ne viendrai plus jamais te voir. Mais voilà Lolo vous dépasse. Depuis je ne sais combien de mois, je la vois être à l'aise d'être sur ma page. Je vous ai déjà dit que les plans de Dieu ne sont pas les plans des hommes. L'homme peut dire que je ne veux plus qu'on te suive. Dieu dit que vous avez menti, on va continuer à suivre l'étoile qui vient. Vous pouvez m'insulter tous les jours pour jeter le discrédit sur moi. Les gens que Dieu a prévus pour continuer à me suivre seront toujours là. Vous voyez un peu? Lolo vous dépasse, je te claque des bisous ma chérie. Il y a les gens qui nous suivent, qui réfléchissent. Je suis sûr que là où cette fille est, elle dit que
Ah, les toi qui viennent, elle est comme elle est. Mais quand je l'observe bien après un fond mauvais, elle est juste cache. Je préfère continuer à aller la voir. Mieux on dit chez les lolomaniacs que je suis traître. Mais mon frère, j'ai envie de regarder l'étoile qui vient, j'ai envie de l'écouter. C'est quoi avec vos histoires de team? Pardon, je m'en vais m'enjoy chez l'étoile qui vient, là, voilà, qui me libère les cœurs. Applaudissez pour Dieu. Bah, il est puissant. Je retourne chez Malène. Libérez les cœurs, mes étoiles d'amour. Oh, haï à la paix entre nous. Amen, Lolo vous dépasse. Je retourne chez Malène. Je claque des bisous pour toi, comment Caroline? Toi, tu dors ici. Des fois, tu te fâches. Après, tu reviens encore. Je crois que je ne te connais pas. On retourne chez Malène. Malène est arrivée ici, là. Elle a fait son buzz en insultant la première dame. D'ailleurs, j'attends toujours la plainte. Elle a fait son buzz en insultant la première dame. Comme l'étoile qui vient et cache. Hein? De la même façon que vous venez acheter le problème. La première dame d'un pays, c'est la maman dans le sens figuré de tous les enfants de ce pays-là. Tant que maman Chantal Biya au pouvoir, n'en plaise ou n'en déplaise, qu'on soit d'accord avec l'organisation de son mari, la gestion de son mari, qu'on soit d'accord ou pas, c'est un fait, on le sait. Mais une personne se lève pour insulter copieusement la première dame, non pas parce qu'elle veut sauver les Camerounais, mais parce qu'elle a ses rancœurs, ses intérêts personnels qui sont mis en jeu. Je sors, je donne la voix pour la première dame de notre pays, parce que l'insulter, c'est donner le courage aux gens à l'international de venir manquer de respect à la première dame de notre pays. Quand je suis venue répondre à Malène, comme il y a la meute qui est là sur les réseaux sociaux, ils se sont mis du côté de Malène parce qu'il y a les gens ici qui aiment qu'on insulte les enfants des autres. Ils ont commencé à défendre Malène, disant que moi je suis la mauvaise. Que ce qu'ils aiment chez Malène, c'est que Malène ne cherche pas les problèmes. Malène est venue sur les réseaux sociaux parce qu'elle a son combat politique. Hein? C'est ce qu'ils ont dit, hein? Elle est venue parce qu'elle a son combat politique. On doit la laisser dans son combat politique. Dites-moi voir. Vous avez donc défendu Malène qui est dans son combat politique. Nathalie Kowa est dans la politique. Nathalie Kowa, c'est une histoire politique. Ça concerne le gouvernement camerounais. Ça concerne le président de la République. La voilà qui est assise sur la tête de Nathalie Kowa. Ça ne fait rien à personne. Elle a le droit de récupérer une personne qui ne s'adresse pas à elle pour venir décortiquer sa vie, l'insulter. Ça ne vous dérange pas. Quand tu vois une famille, quand je vais m'asseoir pour parler, on va dire que parce que moi-même je suis libre de parler. Tu vois qu'une famille est en train de se déchirer. Au lieu, en tant que grande sœur, de venir mettre la paix, calmer parce que c'est la honte africaine. Elle est incapable de mettre la paix. Elle va rappeler l'état de Nathalie, mais comme Dieu est grand. Pendant qu'elle est en train de rappeler l'état de Nathalie, nous dit comment Nathalie Kowa écrit dans son livre que, oh, elle a fait les plans à plusieurs que vous connaissez, avec Pierre-Paul Jacques. L'aide dit que Nathalie est la plus grosse vendeuse de Ndongo du Cameroun. Il faut la jeter, il faut la vomir. En se faisant passer pour la bonne personne, très sainte, très innocente, qui n'a jamais rien fait de mal. En même temps, Dieu l'expose dans ses sorties. Dieu l'expose dans ses sorties parce que pendant qu'elle critique Nathalie et elle annonce aux Camerounais qu'elle est partie au Cameroun, elle a tapé 6 mois, aucun homme n'est monté sur elle. Elle nous annonce dans une vidéo que les femmes qui l'insultent, c'est parce qu'elle a souvent taclé leur mari. Donc toi, tu es une tacleuse des maris des gens. Elle a parlé au pluriel. Ce n'est pas moi qui dis, c'est elle qui a dit. Elle a taclé les maris des gens. Elle dit que les femmes là me détestent. Je sais que j'ai taclé vos maris au pluriel. Ça veut dire que elle a taclé les maris des gens 5 ou 10. Donc quand une femme commence à tacler 5 ou 10 maris des gens, imagine un peu ce qu'elle est capable de faire. Ça veut dire que toi là, tu étais une femme mariée. Si ton mari avait un peu d'argent et elle a les yeux, les vues sur lui, elle le taclait. Mais c'est quand même elle que vous laissez venir manquer de respect à une autre sœur camerounaise et après vous allez venir dire que oh, les études sont montées, les études sont descendues et elle a même eu le courage de dire que Nathalie Kowa, parce que les femmes comme ça qui ont une longueur d'avance, je dis toujours que Chely Lettré, celui qui est un peu médiocre, écoutez bien ce que je vais dire, Chely Lettré, celui qui est un peu médiocre, les médiocres ne sont pas totalement bêtes. Mais Chely Lettré, c'est-à-dire, ils sont, c'est comme quand on dit à l'école, j'ai eu la moyenne, j'ai eu la note, la bonne note. D'accord? Toi, l'illettré, le médiocre est comme quelqu'un qui sait tout devant toi. Quand le médiocre parle, tu crois que c'est trop bien. Parce que toi, tu es toujours dans la phase de l'ignorance, l'obscurantisme total. Ce qui fait que les failles de celui qui fait la médiocrité, hein, tu ne vois pas trop. Voilà quelqu'un qui dit que elle fait le deux poids, deux mesures. Vous savez, on appelle ça chez dans le village de ma maman, les Batanga Akribi, Ada Aoundia.
Ça veut dire que tu caresses, après tu assommes. Tu caresses, après tu assommes. Seul celui qui n'a pas le cerveau ouvert ne va pas comprendre ce que tu es en train de faire. Pendant qu'elle détruit l'image de Nathalie Koa, elle fait l'effort d'arranger un peu pour qu'on pense qu'elle est juste en train de causer. Elle est juste en train de se prononcer, comme ça on ne l'insulte pas trop. Elle dit comment? J'aime bien Nathalie parce que Nathalie n'a pas fait des études. Or, Nathalie Koa fait l'école. Quand on dit pour quelqu'un qui est lettré que quelqu'un n'a pas fait l'école, c'est quelqu'un qui ne connaît même pas la route qui va à l'école. Nathalie a le CP. Ce que la plupart de nos parents avaient avant et ils ont conçu les immeubles. Nathalie a le brevet des collèges. Ça fait déjà 2 diplômes. Donc Nathalie n'est pas dans le rang des illettrés. Un illettré est sans diplôme. Maintenant Nathalie a encore le concours, le probatoire. Chez nous au Cameroun, avant de passer le bac, on passe le probatoire. Ce n'est pas un diplôme, mais c'est un examen aussi qu'on passe comme ça. C'est une perte de temps. Nathalie a le probatoire. Et je crois que c'est le bac que Nathalie n'a pas pu avoir. Ça veut dire que Nathalie a le niveau premier ou terminal. Si après la première ou la terminale, Nathalie avait eu son bac, elle aurait été parmi les bacheliers du Cameroun. Et après, elle aurait décidé de continuer à l'université ou pas. Mais rien que déjà le fait d'avoir le CP, le brevet des collèges, le probatoire, ça fait d'elle une personne qui a été à l'école. Mais elle range Nathalie dans le camp des gens qui n'ont pas été à l'école. Parce qu'il faut qu'elle rabaisse Nathalie. Et ça, vous allez appeler ça aussi faire de la politique. Parce que pour le moment, c'est un instrument qui aide les politiciens. Alors, même si elle fait quoi sur les réseaux sociaux, personne ne doit rien dire. Et c'est normal. Mais quand c'est l'étoile qui vient, vous courez pour venir nuire à l'étoile qui vient. Pourtant, les pestes sont là sur les réseaux sociaux. Vous ne voyez pas. Vous ne dites rien. Tu t'assois, tu insultes une femme qui a les problèmes avec son frère. Elle ne t'a pas provoqué. Ce sont ses problèmes de famille. Je ne connais pas une famille africaine qui n'a pas de problème. Même dans ma famille, alors que je vous parle mes étoiles, c'est chaud là-bas, je ne peux pas entrer dans les détails. Chez mon grand-père. Toutes les familles ont les problèmes. Mais tu viens entrer dans les problèmes des familles, des gens, tu commences à tirer à balles réelles, personne ne te dit rien. Parce qu'on va dire que tu étais à l'école. Tu critiques l'autre, tu dis que comment c'est une boque. Entre temps, toi-même, tu as taclé tous les maris des gens. Ça, il faut aller dire ça au tribunal. Je vais sortir la vidéo où c'est toi qui dis ça. J'ai gardé. Que les femmes là t'en veulent parce que tu as taclé leur mari au pluriel. La sainte a taclé les maris des autres. Quand on est saint, on ne sort pas avec les maris des gens. On peut dire qu'une erreur, tu es sorti avec le mari de quelqu'un. Mais au pluriel, tu nous dis que tu es sorti avec les maris des gens. Vous ne voyez pas. Vous ne parlez pas. Quand il va falloir venir dire que Malin ne provoque pas, ne cherche pas les problèmes, vous serez les premiers. Ça, c'est devant l'étoile cubaine que vous allez venir dire ça. N'est-ce pas? Elle cherche bel et bien les problèmes. Je dis bien bel et bien les problèmes, cette femme-là. Et elle est d'une jalousie qui ne dit pas son nom. Cette jalousie émane de l'échec de tout ce qu'elle a essayé de faire. Parce que vous me disiez ici, quand tu ne parles, je me suis arrêtée de parler d'elle. Quand un jour je suis tombée sur son live, j'ai entendu que ces clashs, si c'est avec qui là, on veut menacer ses enfants. En tant que mère, ça m'a fendu le cœur. Et je me suis souvenu que la Bible dit que malheur à la personne par qui le scandale arrive. J'ai dit, hey, on peut faire du mal aux enfants de la femme si je culpabilise. Mieux, je quitte de là. Je suis quittée. Parlez-moi une dupe pas dans le mauvais film. Ce n'est pas parce qu'elle parle trop bien ou elle parle trop mal. Ah non, 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 moi je ne vois personne en face de moi ici sur mes tâches. J'ai déjà dit ça. Parce que j'ai confiance en moi, je ne me sens pas petite. Mais cette femme, sa jalousie, son aigreur, son amertume l'amène toujours à nuire aux autres. Vous ne voyez pas. Si elle s'en est prise à la première dame, ce n'est pas parce qu'elle aime le Cameroun. J'insiste là-dessus. Ce n'est pas parce qu'elle veut changer les conditions de vie des Camerounais. Elle avait la possibilité de le faire, elle ne l'a pas fait. Quand elle avait la possibilité de le faire, c'était pour ses intérêts personnels qu'elle travaillait. Elle n'a rien fait. Tous ces gens-là qui ont milité aux côtés du RDPC, quand ils ont fini de manger et que finalement on a fermé le robinet, ils viennent toujours vous dire que finalement ils vous aiment. Mais quand ils avaient la possibilité de vous dire qu'ils vous aiment, ils n'ont rien fait pour vous. Tous ces gens-là. Elle écrit carrément. Elle dit que, regardez jusqu'où la jalousie d'une femme peut aller. Elle s'adresse à sa petite soeur Nathalie. Quoi. Elle va jusqu'à dire que Nathalie, tu es mon égal. Un temps, quand vous voyez Malène et Nathalie, vous savez d'avance que Malène est l'aînée. Une personne qui a plus de 50 ans dit à une fille qui est née en 87 qu'elle est son égale, juste parce que la vie de Nathalie, elle envie tellement la vie de Nathalie. La plupart des femmes qui sont en train d'encourager là aujourd'hui,
les insultes du petit frère de Nathalie sur Nathalie. C'est pourquoi ce sont les femmes qui, la plus, parfois, elles ont mené la même vie. Mais en menant la même vie, l'autre a réussi. Elles ont échoué parce qu'elles n'avaient pas le même cerveau. Quand Malène dit qu'elle a taclé toutes les femmes, tous les hommes mariés des femmes là, ça sous-entend que chez chacun de ces hommes mariés, elle avait une enveloppe. Ça s'appelle la prostitution. Il faut amener au tribunal. Ça s'appelle la prostitution. Si ça sous-entend, c'est le français, que ça donnait des enveloppes, tu as fait quoi avec ton argent? On ne sait pas ce que tu as fait avec. Parce que pour finir ta vie, après tous les hommes mariés que tu dis avoir taclé, et venir t'accrocher sur le dos d'une gamine, ça veut dire que c'est raté. Parce que les intellectuels comme toi, hein, ne s'accrochent pas comme ça sur les gens. Madame Béala est une intellectuelle de notre pays. Quand on voit Madame Béala être dans les scandales, c'est toujours les scandales politiques. Regardez bien. Le jour où on a vu Madame Béala dans un scandale, c'était pour son terrain, ce qui est de droit. Elle a le droit de défendre son bien. Elle. Le deuxième scandale où on a vu Madame Béala, c'était pour dénoncer les frasques du gouvernement. Deux. Troisième scandale où on a vu Madame Béala, c'est parce qu'elle avait écrit un livre. Trois. Vous ne verrez jamais Madame Béala dans un scandale où elle part chercher les problèmes aux gens. Elle ne cherche pas les problèmes aux gens comme ça. Elle peut écrire un article, ça émane toujours de son ordre de diplômé, d'intellectuel, d'intelligent, de sage. Ça n'émane jamais de la jalousie. Parce que Madame Béala sait qu'il n'y a personne en face. Elle a confiance en elle. Eh? Solange Prison, n'a bloqué wa? Eh? Voilà, hop. Wa topo dit wa na, n'est ton mépris. Voilà. Parce que Madame Béala sait qu'elle a une longueur d'avance. Vous voyez un peu. Donc, on n'est pas dans la pacotille. Voilà dont les gens vous laissez. Quand les toits qui viennent parler, vous dites que les toits qui viennent aiment trop les problèmes. Voilà ceux qui aiment les problèmes, vous ne dites rien. Cynthia Fiaga, je vous rappelle tout ça pour que vous n'oubliez pas. Pour vous dire que vous faites du deux poids, deux mesures sur la toile. Quand les gens que vous adulez font du sale, vous dites bravo. Et quand les gens que vous détestez veulent faire la même chose, vous dites, ne faites pas ça parce que vous n'aimez pas la personne. Cynthia Fiaga, on a insulté Cynthia Fiaga ici, la fatiguée. Moi-même, j'étais capitaine dans ça. J'ai porté mon costume de grande soeur, j'ai récupéré la petite fille là, j'ai dit que c'est comment? Tu as le bac et tu es en train de vouloir te perdre comme ça, tu es malade, tu as l'avenir. Je l'ai lavé copieusement comme une grande soeur lave une petite soeur pour qu'elle se ressaisisse. Aujourd'hui, Cynthia Fiaga vient vers nous plus grande que jamais. En nous ayant écoutés, en ayant compris que la vie de débauche n'apporte rien, elle a décidé de gagner sa vie à la sueur de son front. Cynthia Fiaga est arrivée avec un projet concret. Nous, les grandes sœurs, nous nous sommes alignées pour l'accompagner. Qu'elle nous baise ou qu'elle ne nous baise pas, notre travail à nous, c'est de la soutenir en tant qu'aînée. Parce que nous, on assume qu'on est, nous sommes les aînés des enfants. Les mamans comme Alain là n'assument jamais, elles ont honte de l'âge. Cynthia Fiaga, c'est ma petite sœur et la petite sœur de beaucoup de blogueurs là. On a décidé d'accompagner Cynthia Fiaga. Vous savez ce que Malène fait? Je ne sais pas pourquoi elle a supprimé le poste là de sa page. Mais c'est sur les pages là, je ne sais plus lesquelles. Cynthia Fiaga a fait un petit tournage avec sa copine là. Je ne connais pas, je ne connais plus le nom de la petite là. Elle est bien belle comme ça. J'étais même dans son live sur TikTok. Le tournage là, Cynthia faisait le bouillon. Et elle avait mis le couvercle de la mamie ta main le sol. Elle a récupéré, Malène a récupéré la photo là. Et elle est venue pondre tout un poste pour salir Cynthia. Après, les gens vont venir dire que elle donne les conseils. Merci beaucoup, Christelle. Elle dit à Cynthia comment? Quand tu fais la vente de Ndongo, tu es très propre. Mais faire à manger, ça demande aussi que tu sois propre comme ça. Et elle vient pondre ça publiquement. J'ai trouvé ça d'une méchanceté qui ne dit pas son nom. Une petite fille que tu peux accoucher. Au lieu d'aller dans son inbox, parce que c'est une petite fille qui veut sortir de la médiocrité. Tu as préféré faire le genre de poste là. Parce que tout pour vous, rien pour les autres. Le fait de voir la petite Cynthia, les grands comme Longuet, Longuet partent l'encourager, Pierre, Paul, Jacques vont l'encourager, ça vous énerve. Il faut que vous rappeliez aux Camerounais l'état de cette fille, alors que dans vos casseroles, il y a plein de tas que les Camerounais essayent d'enterrer. Parce qu'on veut vous donner une deuxième chance. Mais vous, l'état des autres, vous n'oubliez pas. L'état de Nathalie Koua, tu n'oublies pas.
L'état de Sitcha Fianga, tu n'oublies pas. L'état de beaucoup de personnes là-bas, tu n'oublies pas. Mais quand ce sont tes tas, les Camerounais nous rappellent que Oko, tu as fait les études. Quand on a fait les études, on se démarque de l'illettrisme. Dites-moi à quel moment ces études et l'illettrisme, sa façon de se comporter, ces études sont différentes de l'illettrisme des gens sur la toile. Quelqu'un qui a été à l'école, qui est cultivé, qui est intelligent, qui est sage, il a toujours une façon différente de faire les choses. Je ne connais pas une diplômée plus délinquante que cette femme sur la toile. C'est ma vérité là qui vous énerve. Tu vas entendre que, oh, attention, l'étoile, il y a les gens à qui tu ne dois pas répondre parce que cette femme-là, c'est Goliath, parce qu'elle a tel du mouvement. Goliath. Donc, les enfants qu'elle insulte, les vies des gens qu'elle bafoue, ça ne fait pas mal. Mais quand on vient l'insulter, ça fait mal. Hein? Nous, on ne s'attaque même pas à sa vie. Vous m'avez déjà vu faire un live. Je parle de son mari. Hein? Merci là-bas, Caroline. Jamais. Parce que dès qu'il s'agit de la famille de quelqu'un sur les réseaux sociaux, je ne gère pas. Pourtant, publiquement, cette femme parle de son mariage et de ses enfants. Mais quand il s'agit de la vie de famille de quelqu'un, je mets les barrières. Le dossier de Karine Mongo est arrivé ici. Vous allez voir dans tous mes lives que tout ce qui concernait son enfant, son mari, j'évitais de me prononcer. Parce qu'il faut toujours parler du fait. Mais elle, elle n'évite pas. Elle a attaqué directement la maman de Nathalie Kouwa qu'elle ne connaît pas. Parce que la maman a décidé que sa fille ne va pas dans un mariage polygamique. Son problème est où? On ne sait pas. Ça ne vous dérange pas. Et si c'était l'étoile? Bref, ce que je voulais vous dire, c'est que tant que vous acceptez certains comportements chez d'autres, n'essayez pas de me priver de ce comportement-là. Encore, je ne fais pas pareil. Laissez-moi être libre de mes prises de position sur les réseaux sociaux. Parce que je suis une personne liée mes étoiles. Si je vous dis ce que j'ai, vous n'allez pas me croire. Eh Dieu, pourquoi? Elle me sent pas bien. Je vous jure que je me sens pas bien mes étoiles. Eh Adaba, c'est bien. Pourquoi tu me fais ça? Wakala. Pourquoi Dieu me fait ça? Eh Seigneur Dieu. Je laisse le Congo ça comme ça, mes étoiles. Il va devoir couper. Je me sens pas bien. Je dois boire bien de l'eau. J'ai soif. J'ai fini de parler, de dire ce que j'ai à dire. Quand je finis... Non, Caroline, hey, c'est comment? Quand je finis de dire ce que j'ai à dire comme ça, c'est un buffet de la haine que je sais pour que tous les haineux de la toile récupèrent pour aller bavarder dessus. Et je tiens à préciser qu'il y a souvent les gens là qui cherchent la fabrication avec le nom de tout le monde. Moi, je ne vous gère pas. Voilà, je ne vous gère pas. Faites même sans live. Vous mentez. Par contre, quand vous allez atteindre les bas, peut-être 100 000 abonnés. Ma mounette, Adama. Bon, mes étoiles, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous. J'ai conclu avec ce que j'ai à dire. Donc, maintenant, Pauline Friday, le village brille. Merci pour les cœurs, mon étoile. Tu es adorable. Allez, bisous, mes étoiles. Je vous laisse le travail. C'est ce que j'avais à dire. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.